bonne volonté qui viennent discuter de ce qui m'est arrivé, qui viennent en savoir un peu plus sur ce que j'ai à dire, sur mon livre, parce que de ces rencontres, j'attends toujours d'apprendre quelque chose. Donc, je vais essayer de parler pas trop longtemps, de manière à vous laisser parler, poser des questions et qu'on puisse éventuellement interagir. Alors, je suis quelqu'un de très ordinaire, pas du tout un grand artiste comme Lutz. J'ai 60 ans, je suis marié, je suis médecin de santé publique. C'est pas les médecins qu'on voit à la télé. On voit plutôt des chirurgiens cardiovasculaires ou des urgentistes. Mais pourtant, c'est très très intéressant. Mais c'est pas de ça que je suis venu vous parler ce soir. J'avais trois enfants magnifiques. Très très divers dans leur personnalité et j'avais une fille qui était la plus petite des trois qui s'appelait Lola et que j'ai vue pour la dernière fois le 13 novembre 2015. Je l'ai croisée à la piscine de la Butte aux Cailles à Paris à la pause déjeuner parce qu'on ne travaillait pas loin l'un de l'autre et de temps en temps ça nous arrivait de nous retrouver là-bas par hasard. Donc, on s'est dit, à demain, elle devait venir manger à la maison le samedi matin. Puis, vers minuit et demi, 1h du matin, je dormais. Je n'étais pas au courant du tout de ce qui se passait en France. Je n'avais pas regardé le match de football France-Allemagne. Je n'avais pas regardé la télé. Donc, j'étais complètement ignorant de ce qui se passait. Et le téléphone a sonné. Et c'était mon fils aîné qui nous a appelé et qui nous a dit voilà, c'est ma femme qui est allée décrocher. J'ai entendu que la conversation se prolongeait, donc je me suis levé aussi. Et elle m'a pris les mains, elle m'a expliqué voilà, il y a des attentats à Paris, il y a des terroristes qui ont attaqué au Bataclan, il y a une fusillade. Lola était là-bas et on n'arrive pas à la joindre sur son téléphone portable. Et donc on a un téléphone portable. Ça, ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. J'ai pensé à éteindre le mien. Et l'autre, ça a pensé à oublier le sien. on a commencé une quête, je le raconte dans le livre sous l'intitulé Recherche, mais c'est un peu long, alors je préfère vous le raconter comme ça plutôt que de le lire. On a mis 18 heures à savoir que Lola était décédée. Et pendant longtemps, on a été dans le déni, en fait. On était sûr qu'elle était vivante, qu'elle était quelque part, qu'elle avait perdu son téléphone portable, que je sais pas quoi, qu'elle était blessée. On a mis très longtemps à arriver à joindre un numéro de téléphone, on a couru les hôpitaux. Alors qu'elle assistait au concert du groupe de rock californien Eagles of Death Metal au Bataclan, dans le 11e arrondissement de Paris. 89 autres spectateurs de ce concert ont été tués au même endroit. Et en tout, 130 personnes ont perdu la vie dans les attaques qui sont survenues à Paris et à Saint-Denis ce soir-là. Près de 500 ont été blessés. Plus de 1000 ont été traumatisés. Comment quelqu'un a-t-il pu penser que ce massacre pourrait faire avancer sa cause? Comment des jeunes gens de l'âge de ma fille, Salah Abdeslam a 28 ans, comment des jeunes gens de l'âge de ma fille ont-ils pu la tuer et l'ont tué tant d'autres en riant et en plaisantant, comme l'ont rapporté des témoins directs, sachant qu'eux-mêmes allaient mourir, mais imaginant sans doute que cet acte les conduirait au paradis? Ma fille est morte pour rien, pour une illusion, pour une folie, c'est absurde. Beauté. Le 27 novembre 2016, nous avions rendez-vous au petit matin pour assister à la levée du corps de Lola. En attendant que les portes s'ouvrent, nous étions là, agglutinés à la porte est de l'Institut médico-légal, celle qui donne vers l'amont de la Seine. C'était une matinée froide et brumeuse, comme Paris en connaît souvent l'hiver. Au-dessus de nos têtes,
Le viaduc du métro était enveloppé de brouillard, et de temps à autre, une rame trouait ce cocon nuageux en jaillissant de la gare d'Austerlitz, noyé dans un sfumato délicat. C'était un spectacle d'une beauté renversante. Comment le monde osait-il être beau en un moment pareil ? Souvent, je suis saisi ainsi par la beauté du monde, particulièrement par la beauté de Paris sur les berges de la Seine où Lola aimait à se promener. Dans ces moments, mon esprit est pénétré tout à la fois par une émotion esthétique qui confine au plaisir et par la tristesse de savoir que Lola ne pourra plus jamais jouir de pareils spectacles. Irréel. Alors, plus jamais ça, c'est trop ambitieux sans doute, mais essayer d'œuvrer pour qu'on continue à réduire la violence et les souffrances dans le monde qui est le nôtre. Je dis qu'on continue parce que je sais parfaitement, malgré ce qui m'est arrivé, que nous vivons dans un monde qui est moins violent aujourd'hui que ce qu'il a été autrefois. Et c'est bien heureux, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire et beaucoup de choses à parcourir. Alors, les mots de la première partie, je vous ai lu intégralement ce que j'avais écrit. Là, souvent, ça fait un petit chapitre à chaque fois, donc je vais vous lire des extraits. En particulier, le premier mot, qui est le mot « terrorisme ». Je parle d'énormément de choses. Je raconte un peu ma vie à travers l'expérience indirecte, puis directe, que j'ai eue du terrorisme. Mais je m'arrêterai juste à la toute première partie, parce que ça a un rapport avec ce qui nous réunit ici ce soir et les circonstances qui ont conduit Lutz à faire son exposition. Je suis né bien après la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais les récits de celle-ci, particulièrement ceux de ma grand-mère paternelle, ont bercé mon enfance. Elle me racontait ce qu'elle avait vécu. C'était donc des histoires de disette et de ravitaillement au marché noir plutôt que des récits héroïques de résistance. Comme la plupart des Français, elle s'était contentée de survivre et de détester l'occupant en silence. Elle ne parlait pas trop de Pétain, mais Laval était clairement un méchant dans ses histoires. Elle n'avait pas résisté, mais la révérence pour les héros de l'ombre était toujours présente. Elle me racontait que les Boches traitaient les résistants de terroristes, mais que ce n'était que des mensonges. Mensonges, propagande, certes, circonstances exceptionnelles, évidemment, héroïsme à coup sûr. Mais j'avoue avoir depuis été troublé chaque fois que j'ai imaginé la scène fondatrice de la lutte armée de la résistance intérieure contre l'occupant. Le coup de feu du militant communiste Pierre Georges, alias colonel Fabien, qui abat un officier allemand, Alphonse Moser, sur le quai du métro à la station Barbès-Rochechouart. Alphonse Moser n'était pas un SS. Il était affecté au magasin d'habillement de la marine allemande à Paris. Ce n'était même pas tout à fait un officier, il avait le grade d'aspirant, donc d'élève officier. En temps de paix, il était fonctionnaire à la caisse d'épargne de Baden-Baden, après avoir été moniteur de sport. Il était marié et avait deux filles. Il avait 31 ans. Maurice Schumann, français libre, gaulliste et futur ministre du général de Gaulle, déclara le 28 août 1941 à Radio Londres: les coups de feu tirés par le jeune Français sont la suite logique, fatale, inéluctable de l'attentat permanent contre la nation française par l'ennemi et ses complices. L'attentat appelle l'attentat. Abattre un soldat d'une armée d'occupation, ce n'est peut-être pas du terrorisme. Mais cet épisode où un jeune Français tire sur un jeune Allemand sur un quai de métro me paraîtra toujours plus triste que glorieux. Certains athées pensent, comme Steven Weinberg, qu'avec ou sans religion, il y aurait des gens bien faisant de bonnes choses et de mauvaises gens faisant de mauvaises choses. Mais pour que des gens bien fassent de mauvaises choses, la religion est nécessaire. Sous l'emprise d'idéologies très laïques, des gens bien ont fait des choses horribles.
On peut certes considérer que le communisme stalinien était une forme de religion, mais c'est une sacrée extension de la définition. Quoi qu'il en soit, la plupart des croyants laissent vivre en paix leurs contemporains, du moins à notre époque et dans notre pays, et certains puisent dans leur foi la motivation et la force de faire des choses merveilleuses. Il me paraît cependant difficile de dire qu'il n'y a aucun rapport entre le phénomène religieux et ses dérives sectaires, y compris dans leurs formes les plus sanglantes, ne serait-ce que parce que les hallucinés qui commettent ces crimes horribles croient le faire au nom de Dieu. Parce qu'ils ont une religion, ils se croient dispensés d'avoir une morale. C'est encore une phrase d'Amin Malouf, dans Les Désorientés. J'ai une morale, je n'ai pas de religion. Je respecte ceux qui en ont une, même si je ne comprends pas très bien, sachant ce qu'on sait aujourd'hui, comment on peut se convaincre de l'existence de Dieu. Je distingue en tout cas très clairement plusieurs phénomènes. La pratique ordinaire et tranquille de la religion, qui est un facteur d'intégration et de cohésion sociale très puissant dans de nombreuses cultures et qui fait partie du quotidien de nombreuses personnes qui n'ont qu'un rapport distant à la foi. Cela peut paraître étonnant, mais beaucoup de pratiquants ne croient pas en l'existence de Dieu. La foi, qui peut être détachée de la pratique religieuse traditionnelle et qui peut être très profonde tout en étant très éloignée du fondamentalisme. Je pense à, ça je ne l'ai pas écrit, mais à une Simone Veil, par exemple, qui était mystique, mais qui ne pratiquait pas, qui n'allait pas à la messe. Le fondamentalisme, qui est une dérive régressive commune à toutes les religions, qu'on pense aux catholiques intégristes ou aux juifs traditionalistes, mais dont le succès en terre d'islam étouffe les sociétés du Pakistan, d'Iran, de la péninsule arabique ou d'Égypte sous une chape de plomb à laquelle une partie importante de la jeunesse et les intellectuels tentent désespérément d'échapper. Ce fondamentalisme pose des problèmes majeurs. Rupture, ici, avec les valeurs républicaines, étroitesse intellectuelle, négation des droits des femmes et des droits de l'homme, mais il ne conduit pas nécessairement ses adeptes à la violence armée. Le djihadisme radical, violent, terroriste, enfin. Par quelle aberration de l'esprit peut-on croire et aimer un Dieu qui demanderait à ses adeptes de commettre des crimes ? Cette folie est pourtant loin d'être inédite, et loin d'être spécifique à l'islam. Comme en témoignent les vers de Voltaire sur la Saint-Barthélemy. C'est un passage de la Henriade que je vais vous lire. Je ne vous peindrai point le tumulte et les cris, le sang de tous côtés ruisselant dans Paris. Le fils assassiné sur le corps de son père, le frère avec la sœur, la fille avec la mère, les époux expirant sous leurs toits embrasés, les enfants au berceau sur la pierre écrasée. Des fureurs des humains, c'est ce qu'on doit attendre. Mais ce que l'avenir aura peine à comprendre, ce que vous-même encore à peine vous croirez, ces monstres furieux de carnage altéré, excités par la voix des prêtres sanguinaires, invoquaient le Seigneur en égorgeant leurs frères, et le bras tout souillé du sang des innocents osait offrir à Dieu cet exécrable encens. Je dois avouer que j'ai lu ce poème après le 13 novembre. Je me suis dit que Voltaire, au XVIIIe siècle, me parlait de ce qui venait de se passer. C'est incroyable.